Bonjour les petits champis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de défi lancée par Ninjax qui est de survivre avec un seul cœur dans toute l'aventure et d'arriver dans le Nether. Donc j'espère qu'on va réussir étant donné qu'on n'est pas les plus doués. Pour cela il suffit juste de jouer sur le dernier snapshot de Minecraft et avec une commande bien précise nous pouvons attribuer un seul point de cœur, un seul point de vie pour notre aventure. Avec cette commande on nous attribue du coup un seul point de cœur pour toute l'aventure. J'espère qu'on va bien réussir. Déjà, on a une première chance, c'est qu'on apparaît normalement sur une plaine. Ça, c'est plutôt cool, avec un désert à côté. Et nos premiers objectifs, ça va être simple, c'est de nous trouver de la nourriture, ainsi qu'un lit. Comme ça, on va pouvoir skip les nuits qui sont beaucoup trop dangereuses. Là, on a déjà des chevaux. On a fait notre tout premier stuff en bois. J'espère que ça va aller. On va vite récupérer les moutons. Comme ça, ça nous fait aussi un petit peu de nourriture. 1, 2, 3. Yes, on va pouvoir avoir 3 laines. Et on a même des couchons. Ça, c'est plutôt cool. Et notre troisième, attention Billy, pardon. Ouh, j'ai touché un petit cheval, j'espère qu'il va pas m'attaquer. Ah nice, de la pierre apparente, ça on va pouvoir en prendre. Oh, il y a même de la lave, on va éviter de tomber dedans. Et ici même, on a une caverne, peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir l'explorer un petit peu? Ouh là, là-bas il y a un monstre. Ouh non, 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 il y a un zombie, j'ai pas envie de m'en affronter maintenant. Oh là-bas, regardez, on a peut-être une structure que je vois. J'espère que c'est un petit village, ce serait super cool. Ou alors c'est un temple, c'est quoi ça comme structure? Ou alors c'est un puits d'eau. Oh, c'est un puits d'eau. Intéressant. Est-ce que ça montre qu'il y a un village tout près ou pas loin? Ouh, là-bas on voit quelque chose. Ça caperait quand même d'une maison. Oups. Et on va vite dormir. Étant donné qu'on a déjà un lit avec ce village, ça c'est plutôt cool. C'est un autre avantage ici. Troisième road. Et on s'est fait un petit stuff en cuir. Voilà, on a fait tout notre stuff en pierre. Maintenant on va aller dans la grotte juste à côté. Et on va aller un peu fouiller ça. J'espère qu'on va pas mourir trop vite. Ah, une entrée de grotte. Yes, let's go. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Oh, on a déjà quelqu'un en dessous. Un petit zombie. J'espère qu'il est inoffensif. S'il me touche, je meurs directement. J'espère pas. Allez, gère. Allez, allez. Yes. Premier kill. Donnez-moi du fer, s'il vous plaît. Ah, un creeper. Non, 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 non. Allez, explose pas, explose pas, explose pas. Explose pas. Allez, allez. Meurs. Vas-y, meurs, 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 meurs. Faut que je meure. Non, non, non. Il va exploser. Je sens que je vais mourir. Yes. Ouf. J'ai tellement peur. Il y a un squelette. Il va me toucher. Non. Vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Ouf. C'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. Oh, là-bas, il y a une autre maison. Ça, c'est plutôt cool. On va aller la visiter. Ne loote que du pain dans tous les corps, ça devient un petit peu rageant. J'espère qu'on va vite trouver du fer, à moins qu'on doit tuer notre pote en fer. Mais bon, je crois qu'il va nous one-shot. On est plutôt large pour la nourriture, ça c'est plutôt cool. On a eu pas mal de chance pour une début d'aventure comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous voulez une suite de l'aventure. Avec un seul... Oh yes, nos premiers fers, on va vite les récupérer. Il nous en faut combien? Juste 1, 3, ça on dit oui. Bon, on va peut-être commencer à se faire un petit plastron en fer si c'est possible. On va mettre nos 18 fers à fondre. Hop, hop, hop. Du coup, le craft du bouclier, c'est comme ça. Ça, c'est bien. On va pouvoir se l'équiper directement. Ce qui est très important aussi, c'est de se faire peut-être un seau d'eau. Allez, là. Oula, vite, vite, vite. J'ai trouvé, pas loin de notre village, pourtant, déjà une source de lave là-bas. Et une deuxième ici, qu'on va déjà transformer en obsidienne. J'ai aussi réalisé une plantation de canne à sucre. Si vous voulez une suite de l'aventure, un épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'objectif suivant pour l'épisode numéro 2. Non. Oh là 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 là. Oh, en plus la caverne est super profonde. On a tellement perdu de stuff. Il y a même un Enderman, je pense. Oh là là, tout notre stuff est en bas. Voilà, on a réglé ça. On a réussi à récupérer par contre une partie de notre stuff, ça c'est plutôt cool. Bon, voilà, on a un petit peu use de petit bug qu'il y a eu. Bon, j'espère qu'on va pas tenir trop en compte. Par contre, je n'ai plus la nourriture, je n'ai plus rien. Faut déjà s'occuper d'eux. Allez, let's go. Non, 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 non. Ok, nickel. Ça prend un sens, ça va, je gère. Le zombie. Est-ce que j'ai apporté? Oups. Allez, dégage. Oh non.
Oui, on a récupéré une bonne partie aussi. Enfin, on a perdu quelques trucs, je pense. Nous sommes à la couche du coup de la bedrock. On va pouvoir commencer à miner un peu plus en mode expert. Donc ça, c'est normalement la couche 5, 6, 7. On va dire que là, normalement, on est dans la bonne couche. Nice, du fer. On va pouvoir nous faire notre stuff. La suite de notre stuff en fer. On va pouvoir récupérer nos jambes. On va commencer à mettre notre petite base ici. Et merci beaucoup pour l'abonnement, même en hors live, eh ben on réussit à avoir un abonné, ça c'est plutôt cool. Oh non, 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 non. Mince, non, 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 non. Non, 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 non. Allez, pas faire de bêtises, on va essayer de les tuer un à un. Comme il faut. Oh oh, on a un zombie dans notre petite mine au fond. Oula oula oula. Mince, mince. Est-ce qu'il va réussir à nous tuer? De le tuer. Oh mince, on est bloqué contre lui. Oh yes, on a réussi. Ouf. Oh mon dieu, le stress que j'ai eu. Je pense qu'on va se placer avec un petit lit ici. Ouf. Ah yes, on a trouvé notre premier diamant. Ça c'est super cool. Un, deux, allez, un troisième. Oui, même 4. On va vite se placer un petit lit ici. Tac. On va même dormir directement. Oh yes, la chance qu'on a. Trop trop cool. Et on va voir ensemble combien nous allons obtenir de diamants. Yes, on a obtenu 9 du coup. Ça c'est super cool. Un champ de diamants. Ah yes, on commence à du coup à retrouver notre village peut-être. Est-ce que c'est notre village ou est-ce qu'on est de l'autre côté? Je pense qu'on a réussi à remonter. Yes, tout près de notre maison même, je pense. Qui est juste là-bas. Ça, c'est plutôt cool. Nice. Du coup, on va aller directement chercher... Oh, un bonhomme bleu. Qu'est-ce que c'est? Oh, un lama. On dirait un marchand. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de lui parler, peut-être. Oh, c'est un marchand. Poisson globe. Oh, j'ai plus mes émeraudes, je les ai perdus, je pense. Oh mince, bon pas grave. Bon allez, on va continuer notre objectif d'aller chercher. Ouh, nos chances sont bien. Ça c'est cool, on a beaucoup de nourriture pour, pour le prochain épisode. Donc si on arrive à 100 pouces bleus, on continue l'aventure. Oh mince. Et voilà, on a récupéré du coup nos 10 minerais d'obsidienne. Proche du but. Oh non, je suis réapparu tout en bas. Oh non, mauvaise idée. Et voilà, du coup, on a fini notre porte du Nether. On va aller vite dormir. On va aller chercher après du silex. Et on va réaliser notre portail. Et je pense qu'on aura fini, du coup, le défi de survivre à Minecraft avec un seul cœur. Et si on a trouvé notre silex, ça c'est plutôt cool. On va vite faire notre briquet. Tac, hop, c'est fait. Les petits potes, je pense que c'est la fin de notre objectif. On a réussi à créer notre portail du Nether. On va l'allumer ensemble. C'est parti. Oups. Et maintenant, on va aller se téléporter. Et je pense qu'on aura réussi du coup notre objectif de survivre à Minecraft avec un seul cœur et d'aller en Nether. On se retrouve du coup dans le Nether. Je pense qu'on a réussi notre objectif de survivre avec un seul cœur dans Minecraft. Donc n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si on atteint 80 pouces bleus, je fais un épisode 2. Et on va même limite explorer le donjon ici à côté, qui me semble très intéressant à faire. Merci à vous et à bientôt. Ciao ciao.